Bonjour à toutes et à tous, mes amis, on se retrouve pour ce troisième épisode de cette présentation de mes personnages. Maintenant, c'est un Yop Level 104 Terre Dobon que je vais vous présenter. Alors, sur ce perso, j'ai trois modes. Donc, voilà, on va tout de suite vous les présenter. Ici, sur un mode plus Vita PAPM. Donc, 11 PA, 100 PM pour level 104, c'est très bien même. 1900 de vie pour. Après, les caractéristiques sont. Moins bon, 373 en force. On va tout de suite tester ça sur un clan de jet d'eau level 75 parce que le sang est pas pris et puis que voilà, ça risque de durer trop longtemps. Et c'est le but des vidéos, c'est que ça ne dure pas trop longtemps. On va se booster tout ce qu'il faut. On va commencer avec une coco à 300, non, 560. On va se mettre à la. Épée divine, pression, concentration, et pression, voilà, c'est du rock. Après on va tester en deux pouces tout ça, même si ici les dommages de deux pouces seront moins importants. Non, non, 91 quand même. On va tester à l'épée de Yop, 211, bof. Hop, on va faire une petite concentration. Intimidation à du 159. Et ici, voilà, on va se booster Brocol, Poach, Coco! 1304 à une Coco level 104, c'est raisonnable. Alors, on va se booster Précipitation. On va voir ce que ça donne. Ici, ça va rater 220, 243. 273 355. On va refaire un truc de full épée. Et on va terminer à la coco. Donc voilà, vous avez vu plutôt ce que ça donne. Sur un mode Vita, c'est pas mal pour le mode 104. On va dire que c'est raisonnable. Maintenant, on va tester sur un mode Rolls. Alors, on va prendre le point qu'il faut. On est toujours en 11 PA. Après, on a pas regardé le stuff. On va le regarder. On va l'analyser maintenant. Désolé, j'ai oublié. Alors, on a Karakoff Vita PA. Griffe Rose, voilà, un bon jet. J'ai l'anneau 110 Vita. Enfin, c'est la même que sur ma marin. 110 Vita 1 PA, pardon. Ici, Gorgouille. Bon, là, il y a plus d'intel que de force. Donc là, je devrais un petit peu changer. Compost. Combien de PV? Ouais, 8. Gorgouille Vita et Force, ici Chouqueuse Vita et Force, Gorgouille Vita Puissance, et enfin Gorgouille Vita Force. Dans les trophées, on a un Ravageur, un Robuste, un Turbulent, un Voyageur, un Bousculeur, et enfin un Pousseur, et on va tester ça, on va attendre que ça repop. Alors, excusez-moi pour ça. Ah voilà. Donc là on va prendre ça parce que ça ira assez vite. Vous verrez. Donc on a fait du 565 à la coco. Et ici on fait du 675. 60. Voilà, 15 plutôt. Alors on va faire une précis. Voilà, 14 PA. Alors, épée de Yop, 292. 301. Pression, 212. 212, on va tester à l'intimi également. Et c'est Rolls. Ça Rolls pas mal quand même, je suis assez content. Alors ici, on va prendre Brokel. Donc là, on a fait du 1304. Coco 1604, 300 en plus. Ce n'est absolument pas négligeable. On va tout de suite prendre. Épée de Yop, voilà, 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 300, c'est parfait, absolument parfait. On va refaire à l'intimi et faire deux consents. Alors, on va se booster un max. Je crois que j'avais la chose, non? Ouais, merde, j'avais la couleur de Yop. Bah, c'est pas grave. Allez, on va refaire une épée. 300. Alors, une précis. Bon, après, là, je peux plus la faire. On va tester le cac après.
Voilà, et voilà. Alors, on va tester le catch. Bien. 470. On va faire une coco à 1700. Hop, on va refaire tout ce qu'il faut. Voilà. Voilà, 345 cc. Alors, on va faire une coco pression. Et enfin, on va terminer sur une concentration. Voilà, en 12 tours, j'aurais fait du moins 10 000 en 2 minutes et 14 secondes. Et enfin, en mode plutôt full. Full de push, j'ai 1600 de vie. On va tester sur un push. Level 50. Et j'ai pas testé. Voilà, ce qui change, c'est le carface. En fait, 40 dommages poussés. C'est surtout ça qui change. Parce que déjà, de base, je suis assez dope. On va se booster. Voilà, 185 et full dopo, ça donne, attention verdict, 239 et on termine sur une épée. Ici avec les stats, 373, ça n'a pas changé du mode Vita. Voilà, bah ici ça aura été vite, bah forcément c'est un push. Level 50, on va regarder pour. Je suis pas très en forme ici pour la vidéo. On va regarder les stats. 513 en force, donc voilà pour mon level. On va dire c'est très respectable. Après, la Vita fait un petit peu défaut. Malheureusement, ma clôture tous les hommes est très très élevée. C'est le fait que je tombe dans le niveau 140 à chaque fois et que je suis très mal vu parce que voilà, je tombe face à des HL. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de vidéos. J'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de vous commenter, d'aimer vos vidéos, nos vidéos. Ça fait déjà 76 abonnés pour 2237 vues. 34, pardon. Donc voilà, je m'excuse du peu de vidéos. Mais ici, regardez, je viens de poster la vidéo pour mon OSA. Donc voilà, il y aura dans quelques jours la présentation de Sèchemont. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Bye.